Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer de travailler sur la soustraction. Alors d'abord voyons un peu ce qu'on a déjà vu sur ce sujet. On a déjà vu par exemple ce que donne 5 moins 3 et on a vu qu'il y a plusieurs manières de trouver le résultat. On a vu par exemple que une des manières de faire c'est de dessiner des objets, par exemple des pêches, 5 pêches, 1, 2, 3, 4, et 5. Donc voilà, 5 pêches. Et puisque j'en soustrais 3, cela veut dire que je vais en enlever 3. 1, 2, 3. Donc combien en reste-t-il? Eh bien, il en reste 1, 2. Donc le résultat est 2. Une autre manière aussi de voir cette soustraction de 5 moins 3, ça va être de regarder quelle est la différence entre la quantité 5 et la quantité 3. De regarder la différence entre les deux quantités. Donc, 5 pêches, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, de l'autre côté, il y a 3 pêches. 1, 2 et 3. Alors, quelle est la différence entre ces deux quantités? Eh bien, ici, il y a une pêche de chaque côté, c'est identique, une pêche de chaque côté, une pêche de chaque côté. Et on voit que du côté du groupe de 5 pêches, il y a 2 pêches en plus. Donc voilà la différence entre les deux quantités. Eh bien, c'est 2. Il y a 2 pêches supplémentaires, ce qui nous donne le résultat 2. Évidemment, on retrouve le même résultat, quelle que soit la méthode. 5 moins 3 doit toujours être égal à 2. On a aussi vu que l'on pouvait utiliser l'axe, l'axe gradué, qu'on utilise aussi avec les additions, eh bien on peut l'utiliser avec les soustractions. Donc je le commence à 0. On verra dans des prochaines leçons que l'axe peut aussi avoir des nombres négatifs. Mais pour l'instant, restons sur les nombres positifs. Donc je vous avais dit qu'on prend le premier nombre, 5, on le place. Et donc, au niveau de la, quand on remarque qu'on est en train de travailler sur une soustraction, donc on voit le signe moins, sur cet axe, nous allons nous déplacer vers la gauche pour avoir un résultat plus petit que le nombre de départ, évidemment. Donc, on veut soustraire 3, donc on fait 3 sauts, 1, 2 et 3. Et on arrive sur le 2, qui est bien notre résultat. Alors, est-ce qu'on peut faire aussi une méthode avec l'axe ici, là, avec cette vision des choses? Oui, je vais vous montrer. Donc regardez, je refais un axe. Voilà. Je pose les graduations. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, faire la différence? Faire la différence, c'est juste remarquer. Donc je place le 5. Le 5 qui est là. Ensuite, le 3, lui, je vais aussi le placer. Je ne vais pas faire 3 sauts. Ça, c'est la méthode où on enlève des éléments. C'est cette première méthode. On a un certain nombre d'éléments et on en enlève. On en enlève 3 et on compte ce qui reste. On en enlève 3. On fait 3 sauts vers la gauche. Ici, dans la méthode de droite, ce que je vous dis, c'est que on cherche à regarder la différence entre deux quantités. Donc, il y a la quantité 5 qui représente toute cette longueur là, tout ça, de 0 à 5. Et puis il y a la quantité 3 qui va de 0 à 3. Voilà. Donc quelle est la différence entre ces deux? Eh bien c'est cette partie là. Voilà. Ça c'est la différence de longueur qu'il y a entre les deux. Et cette différence de longueur, que vaut-elle? Eh bien elle vaut, regardez, 1, 2. L'intervalle est de 2, comme le résultat. Donc voilà cette manière de voir les choses du point de vue des différences de quantité. Donc pour faire 5 moins 3, on va se poser la question, eh bien combien faut-il rajouter à 3 pour tomber sur 5? Eh bien il a fallu faire un saut, deux sauts. Donc le résultat est 2. Alors voyons cela sur d'autres exemples. Donc par exemple, on va faire un exemple avec des chiffres, avec des nombres un peu plus grands. On va faire 17 moins
5. 17 moins 5. Alors, 17 moins 5, là encore, je peux utiliser soit des oranges, cette fois-ci. Donc, je vais dessiner 17 oranges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, voilà. Bon, je ne sais pas si je vais toutes les remplir. Je vais m'arrêter là. Et je vais en enlever 5. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai plus à compter le nombre restant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà. Comme ça, maintenant, on peut écrire que 17 moins 5 est égal à 12. Voilà. Alors, quand 17 moins 5 est égal à 12, vous pouvez aussi remarquer que 17 moins 12 est égal à 5. Eh bien oui, parce que 17 moins 12, cela revient à enlever. Donc, imaginez que là, il y a les 17 oranges, 1, 2, 3. Donc ici, là, l'ensemble des 17 oranges. Si j'enlevais 12 oranges, ça là, voudrait dire enlever 12 oranges, c'est-à-dire toutes celles qui n'ont pas été enlevées tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et donc évidemment, dans ce cas-là, les seules oranges qui resteraient seraient celles-ci, les 5. Les 5 qu'on n'a pas enlevées. Donc tout à l'heure, on en avait 17, on en a enlevé 5, il en restait donc 12. Maintenant, si on en a 17 et qu'on en enlève 12, eh bien c'est logique qu'il en reste 5. Donc, on peut aussi voir les choses en se disant, pour faire 17 moins 12, on va chercher à savoir combien doit-on rajouter à 12 pour arriver à 17. Eh bien, il faut rajouter 5 à 12 pour arriver à 17. Dans ce cas-là, pour faire 17 moins 5, pour trouver le résultat, on peut aussi se demander combien doit-on rajouter à 5 pour arriver à 17? Eh bien, ce qu'on doit rajouter à 5 pour arriver à 17, c'est bien évidemment 12. 5 plus 12 égale 17. Donc là, c'est le résultat. Et là, c'est le résultat aussi. Donc vous voyez que ces trois choses, ces trois équations sont reliées. Ces trois façons de voir les choses sont complètement reliées. Tout ça, c'est relié entre eux. Toutes ces relations sont reliées les unes aux autres, comme on vient de le comprendre. Donc j'espère que cette leçon vous a permis de mieux comprendre la soustraction. À bientôt!